les frères, aujourd'hui on va faire le ramadan pendant 24 heures. Comme vous savez, chaque année on le fait et les gars, cette année, épisode à Toulouse chez le frérot Medoxo. On va découvrir sa routine du ramadan et la partager avec vous. En tout cas les gars, vous inquiétez pas, ça va être une journée incroyable, restez jusqu'à la fin. Moi les gars, je vous en dis pas plus, c'est parti. Il est actuellement 5h, on vient de se réveiller, on est KO. Et là c'est le dernier moment où on peut prendre des forces parce qu'après la journée elle va commencer. Il y aura plus de ouais je peux boire, ouais je peux manger et tout. Non, oh t'as plus le droit. On va leur montrer c'est quoi le ramadan. Là il faut prendre des forces, j'ai trop faim. Là il faut que je commence à manger. Les gars, je sais pas s'il va tenir demain parce qu'il dort. Ah les gars, et... il est KO. Tiens, je crois que je vais lui mettre un petit truc dans la bouche sucrée. On a ramené un peu des mergeps, des beignets. Là on a des gâteaux arabes, on a de tout. Oh frérot. Là, t'es obligé de manger après demain, tu vas regretter sinon tu auras faim toute la journée. Moi je m'appelle Elliot, je fais pas le ramadan. Les gars, moi je commence direct, j'ai trop faim. Et en plus demain je vais pas assumer si j'ai faim. Mais c'est le genre de mec, les gars, il tape des tacos à 5h. Mais c'est quoi ça? C'est ça la semaine. Oh moi les gars, qu'est-ce que je vais prendre? Ah ouais, un petit macro là comme ça. Personne n'a vu. Ah ouais, oh, il va passer crème. Petite dégustation en direct à 5h, c'est parti. Sans mon gars, Oh, j'ai du mal à mâcher. Notre sauveur, il arrive avec des verres. C'est parti. Allez, notre dernier instant, on va pouvoir boire. On va nous sortir la game potion. Dégus. Quand HP parce que là. Oh, je vais t'enculer, Je vais t'enculer. Il a fait tomber. Vas-y, c'est parti, les gars. Mes derniers shields que je vais prendre. Mais tiens, mais prends les shields des yeux. Les gars, ressourcez-vous en shield, On aura le stuff comme si on allait spawn à John Junction. Moi je parle aléatoirement. Il est 5h, je suis en train de boire d'Oasis. Ah ouais, mais je vais dormir là. C'est carré, petit moment à 5h. On a pu se ressourcer un peu, boire dans nos derniers instants, manger dans nos derniers instants et puis que le ramadan commence, les gars. Ramadan, Moubarak à tout le monde. Moubarak, ramadan. Au ramadan, tous ceux qui le font, profitez avec votre famille, c'est le plus important, avec vos proches, ressourcez-vous. Souhaitez-nous bonne chance, les gars. Et puis, les gars, à demain pour la journée, c'est parti. On vient de se lever, il est actuellement à peu près 11h, je vous mens pas. On s'est levé tard, mais hier nous a mis KO les gars, le petit déjeuner à 5h du matin. Frérot, on n'est pas habitué à manger à 4h du mat. Moi 4h du mat, je suis en train de dormir, qu'est-ce que je commence à manger là? Ah les gars, ça nous a tout déréglé, mais c'est parti. La Medoxo il est en train de se préparer. Wesh, les gars, comment ça tu t'es fait avec du sopalin? Bah c'est important, c'est l'usage. Ouais, parce que les serviettes c'est sale et du coup le sopalin c'est propre. Voilà, c'est ce que je lui ai appris, c'est bien. Les gars, merci, conseil propreté, Lilian, on va te laver. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour cette petite journée de ramadan? Franchement, les gars, on est prêts, on est habillés, on est tout, voilà. Ah, je pense qu'on va réussir ou pas ce ramadan là pour d'avoir quelqu'un. Facile, les gars. Homme mature là, depuis ce ramadan. Là, je mets du DZ en vous. Oh. Normalement, c'est facile. Les gars, homme mature depuis ce ramadan, c'est fini, les gars, de s'habiller salement. Vas-y, montre la tenue un peu. Les gars, regardez le petit outfit of the day. Il y a une petite paire blanche, petit jean, petit pull, Medoxo, petite paire. Vas-y, là. Petite cargo, petit pull. Et Lilian, petit pull, petit cargo, petite paire. Oh, c'est fini, les gars. Là, on va aller à Bershka, on va aller à Zara, on va aller partout, frère. On va aller en ville, de toute façon. On a plein de trucs à acheter. Et puis là, il faut qu'on se relouque, il faut qu'on soit des hommes matures en 2024. Et ouais, les gars, parce que là, je vous mens pas. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Hein. La Medoxo, on fait quoi? On prend le métro, on prend la voiture. Ouais, parce que maintenant on est permis chez les gars, ça y est, c'est la belle vie. Les gars, là ils vont prendre le métro avec moi. Je vais les ramener à Jean Jaurès, Capitole, etc. pour ceux qui connaissent à Toulouse. Du coup, c'est parti, on perd pas plus de temps, on y va, je vais aller les relooker. Ça y est, mission réussie. On est dans le métro, les gars. T'es dans le métro, il est en train de se fermer tout. Mais Doxo, il a mis un pied bizarre, les gars. Le métro, il s'est rouvert. Mais oui, les gars, ils la connaissent pas la technique. Ils vont juste mettre son pied, bloquer les portes et ils se fait ouvrir. Les gars, la tête d'homme, c'est un ninja, ce mec. Bon, en tout cas, c'est carré, on est dans le métro, direct sur le Capitole. On est à Jean Jaurès, le prochain arrêt c'est Capitole, c'est dur, on est bientôt arrivé. Et là, Medoxo, il a un appel important, ça veut dire on va... Medoxo, Medoxo, Medoxo. Putain, je suis pas d'accord. Ah merde. Bientôt arrivé à Capitole, là, je suis prêt, c'est vrai. Tu fais quoi, toi? Vas-y, je bouge, là. Quoi? Je bouge. J'ai la caméra, tu peux pas me frapper. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, oh, on doit passer à Yama, on doit aller à la Fnac, on doit se relooker à Bershka ou je sais pas quoi. Tu connais Yama, toi, en vrai, là? Braille-toi. Là, il est à peu près midi, et franchement, pour l'instant, je commence à avoir faim. Oh, je mens pas, j'avais pas faim de la journée et tout. Mais il commence à avoir des odeurs de brochettes, barbecue et tout, ça commence à donner faim. Ah, mais moi, j'ai soif. Non, moi, j'ai pas soif, les gars, moi, j'ai faim, là. Un bon petit taco, ça passerait bien, je mens pas, mais on doit attendre encore 7 heures, les gars, 7 heures. Allez, arrête, c'est encore 7 heures, les frères. Ça va être long. Bien arrivé à Capitole, les gars, c'est vraiment le centre
de la place les gars de Toulouse. Bref du monde. Ah les gars, moi je vous montre pas, j'ai tarpé en défilé ici. Ouais les gars. Non, nous en vrai vu qu'on est dans une autre ville, en mode on s'en fout, on connaît personne. Mais lui les gars il est dans sa ville, c'est bien, il doit connaître des gens et tout, mais moi les gars, ça y est je m'en fous les gars, c'est autour de moi, je connais personne. Bref, en tout cas, c'est parti. On est arrivé devant la Fnac. On va acheter plein de trucs, les gars. On va acheter des cartes SD, des ventouses, tout ça. Attends, là, il y a Burger King, là, il y a Big Fernand, il y a KFC, il y a McDo ici. McDo, KFC à côté. On va se casser le ventre. Allez, let's go. Après, si on se cache, le ramadan, ça passe. On mange en cachet. Les gars, les gars, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de KFC. C'est le ramadan 100%. Je mais Kelly, il l'a fait en cachette, ça marche. Écoutez, là. Écoutez, je vous ai mis de la DZ pour boire ou c'est comment? Non, mais c'est bon, vas-y, je bois. Non. Commence à avoir du soleil, un petit coca bien frais chacal, ça va passer crème, non? Vas-y, go, Fnac là, allez, les gars, on y va. Petit appareil photo comme ça, bien gay. Nous, il nous faut une petite carte SD, les gars, une petite carte SD parce que je mens pas. Parce qu'on est pas mal de vidéos à Toulouse, il nous faut un peu de place. Là, franchement, c'est léger, guistré. 45 balles la carte SD. Ouais, on va filmer hôtel, les gars. De toute façon, on a un téléphone, hein. La qualité elle passe bien. 35 balles, les gars, petite carte SD. C'est pour les vidéos, t'inquiète, ça va passer crème. C'est pour ça, les gars, mettez un petit like, mettez un petit commentaire histoire de nous rentrer un peu, tu vois. Parce que là, journée pas rentable, les gars. En plus, j'ai faim, j'ai soif. Heureusement qu'on consomme pas dans la bouffe, hein. Ok, là, il y a des petits pieds pour téléphone, là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, les gars? Ah, super, il a trouvé Medoxo. C'est ça qu'il nous fallait, il est chaud, Medoxo. Restez à l'affût, là, dans pas longtemps sur la chaîne, vous allez voir, on va louer une petite voiture. Et déjà, les gars, cette petite ventuse, les gars, elle va nous servir. Bon, j'arrive plus à parler. T'es calme, mec, c'est le B. Ça fait plaisir, mec. Tu peux avoir une photo, mec? Non, nique ta mère. Là, des petits... Les gars, ça commence mal. C'est pas bien de dire des gros mots. Bon, les gars, un ramadan, c'est pas que ne pas manger. Faut faire attention à ce qu'on dit, parce que sinon, tu vois, je peux. Parce que les gars, mais... tu vois. Oh, c'est vrai, au que les gars, là, on fait 24 ramadan, c'est pas que pas manger pendant 24 heures. C'est aussi pas dire de gros mots, être droit, tout ça. Les gars, smahli. Pour tout. Non, je vais te dire ce qu'il faut dire. Pour tous les musulmans qui ne savent pas ce qu'il faut dire. Quand tu dis un gros mot, dis starfallah. Au moins, l'intention qui compte. Avec starfallah. Non, starfallah. Starfallah. Voilà, c'est bon, les gars. Il est re dans le droit chemin. Il est reparti droit. Et on dit quoi? Laïs, c'est le mec. Voilà. Bon, on va tous trouver pour la voiture. Carte SD. Maintenant, il faut quoi? Support téléphone. Achète, faut quoi? Une petite batterie. Alors, du coup, maintenant, Pareil, après, faut passer à Yamaha et tout, les gars. Batterie Medoxo et support téléphone. Voiture, les gars. Batterie Medoxo et support téléphone, du coup, c'est bon. Support téléphone, moi, j'ai pas de batterie Medoxo. Mais pourquoi mon Medoxo? C'est la batterie de ta tablette. Elliot. Vas-y, bah je suis pas lâché la batterie de Mohamed. Mais pourquoi t'as deux Smarties sur le visage? Ouh! Là il a deux Smarties! Mais ça où tes Smarties? Ah, mais il a deux Smarties en rouge, tu commences sur la joue, les gars. Ça vient de sortir de la Fnac. Moins 80€. Lilian, je fais quoi? Je te frappe maintenant ou après? Non, mais c'est pour les vidéos, tranquille, on va le rentrer. Il était des trucs de merde, 80€. Non, mais vas-y, ils vont rentrer. Ils vont très bien rentrer. Vous en faites quoi? En tout cas, petite odeur de brioche, les gars, on dirait qu'on mange une petite brioche. Ah ouais. La vie, s'il te plaît. Vous avez rien mangé, les gars. Non. Rien. Je vous jure, les gars, je sais pas. C'est pas possible, je vais pas tenir, c'est pas impossible. C'est vrai que ça va. Oh, ça va picoter là, il nous reste encore combien de temps là? Au moins 6h, les gars. Sympa, hein. Vas-y, venez, on va faire les magasins, on va acheter des vêtements. Vas-y, les gars, c'est parti avec sur Zara, les trucs comme ça, histoire qu'on. Théo se mette à soigner. Oh, c'est quoi cette ville de fou, les gars? Que des briques rouges avec des magasins en mode. C'est incroyable. On se croirait à Roubaix, les frères, mais je vous jure, j'aime trop l'ambiance de la ville. Des trucs comme ça, bon, il y a beaucoup de police. Ça rassurer, on va dire. Ouais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va t'arracher ton sac ici. Mais la ville est plutôt sympathique. Ouais, franchement, c'est un peu stylé. Je vous montre pas, les gars, les petits bâtiments là autour du truc rouge. La ville, on se croirait dans un autre pays, frère. C'est très sympa à poser les pieds pour se balader. Franchement, ta ville est plutôt sympathique, mec. Faut parler à moi, les gars. Moi, je suis à l'ouest. Ville plutôt mais sympathique. Franchement, ouais, c'est sympathique, Toulouse. Après, c'est plutôt nice. Ah, c'est pas ce que vous pensez. C'est juste que là, il y a des schmutes parce qu'il y en a souvent, c'est vrai. Mais aussi parce qu'il y a une manifestation. Mais rien de voir ça, wesh. On rentre dans une rue, frérot, c'est. T'as vu, c'est beau, ça passe bien, ah, je suis bien. Ah, on dirait pas pareil, l'avenir c'est encore mieux que Paris, j'ai l'impression. Ah ouais? Quoi, c'est luxueux, c'est incroyable. Oui, on se ramène dans une boutique de luxe un peu? On aura les sous. Tu nous payes, ouais? Non, on fera après, les gars. On aura les sous. Paye-moi la boutique de luxe, moi je veux pas la voir, moi. C'est une boutique, elle est UCP, Stan Island, toutes les marques. Oh, vas-y, on y va. Et en plus, juste à côté, il y a Galerie Lafayette. Vas-y, on y va. C'est la vivance. Donc, les gars, je vous ramène juste après, là, on va d'abord au Bershka, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, go. Là on est qu'au début d'après-midi. Je pensais le ramadan il allait passer crème. Mais il passe pas du tout crème, les gars, j'ai trop faim. Je sais pas comment je vais tenir jusqu'à la fin de la journée. Donc sur la vie j'en peux plus, frérot, là je sais pas comment tu fais. Je jure j'en peux plus là. En fait genre je peux mais en mode j'ai pas envie de rien faire. J'ai pas envie de parler, me radez pas. En fait genre j'ai envie de boire, ma coche elle commence à être sec.
je commence à plus avoir de... J'ai l'impression que je fais Koh-Lanta, frère. Tiens, j'ai vu un monoprix comme ça, les gars. C'est quoi ce monoprix de luxe, là? Oh, dans le monoprix, d'avoir que du foie gras, du saumon, ça. Un monoprix en brique rouge. Ah, c'est lourd, les gars. Bien arrivé devant le Bershka. Oh, mais Médoxo, j'espère qu'il y aura du lourd là-dedans. J'ai jamais rentré dans ma vie. Là, je vous ramène là. En tout cas, oh, je sais pas, on est où, les gars? Ça, c'est le capital. Oh, je sais pas, c'est quoi cette place, les gars? Il y a trop de monde. Capitole. Les gars, c'est Capitole. Oh, et dites-vous, il y a que du monde durant toute la place, tout le monde. Mais donc ça, tu nous as ramené ou quoi là, frérot? C'est quoi ça? Je vais m'habiller comment là? Vous savez pas chercher, il faut chercher dans les habits. Faut chercher. Moi là, j'ai déjà des tenues à vous proposer, mais vous les voyez pas. C'est quoi ça? Écoutez, les gars, je vais leur en proposer 3 tenues chacun. Ils vont les tester et vous allez noter en commentaire. Ils vont me noter un peu mes tenues, moi, tu vois. Oh, bref, ça, j'aime bien, les gars, ça, j'aime bien ça. Tu mets ça en été et tout. Ta Marbella tranquille, frère, ça passe crème. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Oh, c'est mort, les gars, ça va prendre ça, raté. Cette outfit, raté, les chemises comme ça et tout. Ce que je te propose, chemise blanche. Blanche, bas noir. Ah non, ce bas noir et on prend une chemise noire que ça fait outfit noir et une chemise blanche que ça fait outfit blanc. Ouais, je vais pas se procurer, vas-y, on va essayer ça. Mais donc, ça t'en penses quoi? Les gars, les canettes trop longues, ça. Moi, écoute, je vous dis un truc. Ça, je voulais en prendre un, mais c'est pas le moment, c'est pour l'été. Mais ouais, mais frère, on le prend pour l'été. En plus, comment ça fait chaud et tout, la taille, comment ça sortir en pull. Si vous voulez tenir pour l'été, moi, je vous conseille de prendre. Bon, pas ce bas, bon, je l'ai, moi, personnellement, mais à voir ce que ça pourrait donner. Déjà, moi, je vais aller la chemise et je pense que moi aussi, je vais la tester avec vous. Vas-y, c'est bon. Écoutez, les gars, c'est vrai que le bas, il est un peu large sa mère, les gars, mais vas-y, on va essayer ça. Tu prends L ou M? Là c'est L. Non, prends M ou S. T'as vu comment ça taille large? Prends le plus bas possible, hein, mais j'ai pas envie de. Moi j'aime pas trop les trucs, quoi, ils sont trop larges, les gars. Bon, voilà, Médoxo il a pris quelques petits vêtements. Et l'autre il a pris ça. Les gars, il y a une queue de malade. Ouais. Comme ça, j'ai envie de partir, les gars. J'ai même pas envie de faire la queue. Ouais, même moi, les gars. Là, j'ai envie d'annuler le projet. Et on se casse, mais ouais. Vas-y, il y a des tenues qui m'intéressent, vous savez pas. En fait, il y a des petits trucs cool, mais vas-y, frère, il y a trop de monde. On est là un samedi, les gars, il y a trop de monde. Et d'un côté, les gars, vous savez quoi? Je vais pas vous mentir, il a changé le Bershka. Et il y a moins de trucs intéressants. Ouais. Moi j'ai pris des trucs basiques, tu vois, mais j'ai rien réussi à leur trouver. Il y a que des trucs extra jeux là. Ou soit il y avait pas les tailles pour. Du coup, ça annule un peu tout, tu vois. La cassette de Dragon, ça a pris des pulls simples noirs, des petits pulls comme ça. Moi c'est histoire de me rattraper, j'ai pris une tenue avec eux, comme ça au moins je me relook avec eux et que ça vous fasse du contenu et qu'on soit pas venu là pour rien, tu vois. Ouais, c'est parti essayage, les gars, dans les cabines. On va tout essayer, on va voir qu'est-ce qu'il y a à la taille, qu'est-ce qui est bien. Mais Doxo, il est caché derrière ici. Les gars, moi je suis là. Ah, tester les habits. Il nous a fait une sortie en beauté. C'est parti. Essayez-nous de. Stop. Je referme et vous allez tous les deux ressortir avec la meilleure tenue, c'est bon? C'est bon. Et oui, mais non, les gars, franchement, au niveau de ma tenue, je peux pas valider parce que actuellement je suis en train de tenir mon jean, il est trop grand. Mais si je lâche, et ben vous allez tout voir, tu vois. Wow, mais j'ai pas vu ça, mon frère. T'as vu, il est trop grand. Je l'ai mis dans le skate. T'as vu? Je savais que t'allais sympa. Les gars, oh, il a mis un jean. Oh. Trop large. La binaire, on rentre à deux dans normal. En soi, si il était bien, est-ce que la tenue elle serait passée? Ouais, full black. Non, je suis sûr, le jean il va pas du tout, la vie. Ouais, il est trop grand. Bon, vas-y, la tête d'homme, on rentre à trois dedans, je pense. Tous les trois, on rentre dedans. Je pense que t'as étiré le jean. Ah non, lâche ça. Bah, les gars, je vais remettre la tenue. J'ai fait un peu n'importe quoi. Mais en soi, si le jean était de bonne qualité, ça serait passé crème. Et oui, oh lolo, la petite outfit. Non, franchement, ça passe bien. Le bas il est bizarre un peu. C'est quoi ça, les gars? J'ai l'impression que je fais du taekwondo après. En vrai, les gars, j'aime bien le haut, mais le bas, vas-y, il est bizarre un peu. Attends, je vais essayer taille S, les gars. Attends, je vais essayer avec taille S. T'as les gars, c'est taille L bizarre. Ça veut dire là, je vais essayer avec taille S. On va voir ce que ça donne. Bon, les gars, pour notre tenue, j'ai juste changé le bas. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien les trucs un peu flou. Non, en vrai, tu sais que le bas, là, il passe grave bien en vrai, lui. Ça va. Puis j'aime bien avec le haut. J'aime bien. Après, moi, je trouve que moi, les hauts, ça me va pas trop parce que je suis un peu trop maigre. Tu vois ce que je veux te dire? Non, ça va en vrai. Ah ouais? Mais le bas il glisse de fou. Hein. T'as vu? Regardez-moi ça. C'est ça que j'aime bien, moi. Ça passe avec des chaussures comme ça et tout. Là, le bas, voilà, je valide, j'ai rien à dire. Le bas, tu vois, petit pull gris ou un truc comme ça, ou noir ou blanc ou ce que tu veux, ça passe crème. Voilà mon petit outfit, les gars. Je sais que ça fait bizarre. J'ai mis un truc étragelard qui tombe sur la paire et tout. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En fait, les gars, le haut il passe bien, mais le bas, vas-y, il est bizarre un peu. Il est large. En fait, faut le porter avec une grosse paire. Mais je pense avec une grosse paire, ça peut passer. C'est-à-dire, je pense qu'on va prendre tout ça. Hein. Bon, les gars, Elliot, il a testé mon bas. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve crème juste, je pense. Hein. À mon avis, en vrai, il passe, mais un peu plus grand. J'espère que ça va passer. On dirait un truc pas d'éléphant. Ça me va pas de me. Non, moi, je trouve ça lui va, les gars. Vas-y, tombe-toi. Non, rire bien, moi je trouve. Bon, ça fait une heure, on est en train d'essayer des tenues dans le Bershka pour essayer des trucs extra joleurs de Yamakasi. Fais le raté la queue calère. Tête d'homme, les gars. Oh, c'est Paris-Marseille ou c'est un Bershka? C'est la Paris, les gars. On va revenir plus tard, je crois. Une heure pour essayer, une heure de queue. Et là, ça fait une heure que j'ai envie de manger le McDo. Frère. Alors, en plus, les gars, je vous jure.
oh, quand tu fais le ramadan, j'ai l'impression que ton corps il est plus mou, t'as besoin de plus de respirer. T'as là, t'as l'intérieur, il fait chaud, il fait truc. Là, t'as vu, en mode, t'es moins en forme, t'as vu, t'es plus faible. Je vais m'endormir, m'évanouir, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de. les gars, lundi, on va y retourner pour les tenues, mais c'est là, il y a trop de monde, on est venu un week-end, c'est pas possible. On est de retour dans la ville. Regardez, les gars, oh, Toulouse, c'est la seule ville, il y a des contrefaçons en pleine rue, regardez. Regardez, les gars, ils ont écrit Zappa. Perchka, ils ont mis Bacha. Foot corner, ils ont les foot corner, les gars, ils ont marqué quoi? Ils ont marqué des T corner. Des T corner, la place de foot corner. Et ils ont tout hip-in dans cette rue. Bref, là on va se promener un peu. Ensuite, faut qu'on passe à Yamaha récupérer une petite pièce pour une 125. Et ouais, voilà, on va voir ce qui va se passer, les gars. À Toulouse, les gars, c'est vraiment l'été. Je vous jure, on se balade en veste comme ça. Là, on a chaud et tout. C'est abusé, les gars. Nous, chez nous, c'est l'hiver encore. Je crois qu'on habite en Alaska, c'est pas possible. Bon, là, le frère Médoxo, il nous a ramené à quoi? Ça s'appelle quoi? Je crois les Tuileries. Et en gros, c'est un magasin, les gars. C'est comme réservoir. Il y a CP, Stone, Kenzo. Il y a toutes les marques de luxe, les gars. Regarde-moi un peu les vestes qu'on a là. Oh là là, Christian Durant. Vas-y, on va essayer ça. De toute façon, c'est Médoxo qui râle, ça m'a dit, les gars. C'est bien ouais, ça. Ouais, les gars, si vous êtes malade. Oh, c'est trop cher. C'est trop cher. Tellement il y a écrit payé en plusieurs fois. Payé en 3 fois, 4 fois sans frais. Ça, ça n'est pas bon, les gars. Tu sais que ça s'attend. Casablanca, Disco Red, Dolce Cabana. On est bien. On a combien de budget? On a 600 euros, les gars. Arrête. Ah, vas-y, bah, les gars. Vas-y, passez-moi, les gars. On est carré, les gars. On a des sous, vous en faites pas. On va tout claquer. On va tout vite dévaliser. La YouTube Money, elle va partir que dans ça. Regardez un peu la casse. Elle craint pas, les gars. Ouais, tout se balance. 200 euros juste parce que c'est marqué CP Compagnie là. Arrête. Sinon, on est en train de rader, mais en fait, ce qui casse la tête, les gars, c'est que les prix c'est trop. C'est trop. On va les acheter en réduit, sinon ça vaut pas le coup. Ouais, la veste cargo, toutes les couleurs. La veste dédiée est incroyable. Oh, ça elle va être en bas. La veste que je dis incroyable. 750 euros. Arrête. Regardez la petite chemise, les gars. Casablanca comme ça, tu sors ça en été. Avec le petit bas, frérot. 900 euros la chemise, ouais. On va rester en Zara tout l'été, je crois. Bon, c'était bien beau le magasin CP, Stone Island, tout ça. Mais bon, acheter une veste à 500 euros, mais donc ça, c'est pas notre budget. Ça veut dire la direction Foot Corner. On va essayer de chercher, je sais pas, des ensembles Under Armour ou quoi, tu vois. Ouais. Histoire qu'on ait une petite tenue synchro, ça pourrait être stylé, franchement. Donc vas-y, les gars, on va chercher ça. Toujours en direct de Toulouse. Là, on est où là? On est au Capitole là? Là, actuellement, on est pas au Capitole, on est entre Esquirol et Capitole. Ouais, on peut dire ça si vous voulez. Ouais, c'est. Les gars, il est collé Et là, il est quelle heure, Elliot? Là, les gars, il doit être à peu près 16h. T'es dehors. Oh, je commence à avoir trop faim là. On mange le pâté dans 3h. Actuellement, ils veulent aller au JD. C'est un endroit que j'aime pas trop. Il y a que des BDG dans la route où je vais les ramener. Ah ouais. Mais comment? Ouais, ça me dégoûte, moi, les gars, des trucs comme ça. Ah, mais des BDG, putain. Des BDG, des BDH. En tout cas, là, on va manger dans 3h. Est-ce que vous avez faim? Vous avez soif? C'est comment? Ouais, j'ai l'impression là, je commence à être faible. Là, je commence à avoir 3 HP là. Si je parle plus, les gars, croyez pas que je suis timide ou quoi. C'est juste que je vais m'évanouir, la vie de ma mère. Les gars, je commence à plus en pouvoir. Non, on a Capitole là. Ouais, les gars, là, on est au Capitole. Non, là, okay. On est au Capitole. Ouais, regardez, les gars, comment la place, elle est géante, les frères. C'est une dinguerie. Là, c'est la place principale de Toulouse, en gros. Là, c'est la première fois qu'ils voient, en fait. Je viens de comprendre. Ça, c'est la place principale de Toulouse, les gars. Regardez-moi comment c'est gigantesque, frère. C'est une dinguerie. Bon, les gars, là, on marchait tranquille. Regardez, on a croisé des abonnés. Des abonnés Toulouse. Là, on a croisé un mec, les gars. On jouait avec lui sur Fortnite. Ah, je faisais les caps Fortnite avec lui. Je faisais les caps Fortnite, je le retrouve là, au final, il nous croise. Les gars, ça fait plaisir, la petite ville de Toulouse. On est en train de chercher un JD, les gars, histoire de trouver des bons petits vêtements. C'est pas un endroit où on peut trouver des vêtements. On a envie d'avoir une tenue à la sortie. En mode t-shirt quoi? En mode cher ou pas? Non, pas cher. Cher. Genre en mode comme Zara et tout, t'as compris? Bershka? Ouais, mais Bershka, y aller, y a trop de monde. Panorama, c'est là, mais c'est pas le même prix. C'est pas le même prix, Là, j'ai des trucs d'avoir des t-shirts. Ouais, des Nike et tout. Ça dépend quel t-shirt. Nike Running et tout. Les gars, c'est la galère pour avoir des vêtements à tête d'homme. Regardez-moi ça. Non. Burger. Oh, Panini Nutella, les gars, Goff Nutella. Oh là là là. Je sais pas comment on va tenir, les gars. On doit manger dans 2 heures. On a des pizzas à 5 euros et tout. Oh, les gars, le ramadan c'est trop dur. Là-bas, ça serait des crêpes Nutella. Je sais pas comment on va tenir, les gars, la journée. Il reste encore 2 heures. Ça va être impossible. 5 euros, j'ai ma grosse pizza et ma boisson. Non, regardez, on va t'en à côté de toi, les gars. Que des restaurants de pizza. La tacos, chamas tacos. La vie, c'est de la torture. C'est de la torture de faire le ramadan, les gars. Ça te pousse dans tes limites. Ça augmente ton mental. Ça y est, je crois qu'on a trouvé le vêtement parfait, les gars. Il était dingue. On était en train de tous les trois s'embrouiller, s'engueuler. Oh, les gars, c'était le pire mood de la vie. Là, on a raté Yama. Oh, on trouvait pas les vêtements qu'il fallait. On voulait un outfit cordon. On trouvait pas. C'était cher, c'était pas cher, c'était moche, c'était pas moche. On a la Zara, les gars. Bas blanc, des hauts blancs. Et là, regardez-moi ce pull. Oh. Les gars, parce que ceux qui savent pas, on va louer un RS3 vert. Reste à la RS3 vert pomme.
Une autre bolide. Oh là là. Regardez-moi ça. Pull vert pomme, RS3 vert pomme. Là, on va faire des photos de malades, on va faire des vidéos de malades. Juste reste à l'affût. Regardez-moi ça, les gars. C'est quelle taille? C'est L qu'il nous faut, pas M. M, c'est trop. Non, M, M, M. Il y a pas toutes les tailles. Regardez, les gars, imagine, on est tous les trois en vert comme ça peut flinguer vraiment. Et après, regardez ce qu'on a trouvé. En gros, on va récupérer un S3 vert, mais aussi un RS3 blanc. Est-ce que ce pull blanc, il flinguerait pas avec Elliot? T'as vu, on a toutes les paires blanches, petit bas noir, petit pull blanc. Oh, même, t'as vu, ça fait classe. Et vas-y, faudrait un ballon. Ça fait élégant, ça fait élégant. Dites-nous si vous validez en commentaire. Tu connais, on trouve des petits outfits, des petites tenues histoire d'être pro. Non, mais moi je dis, ah, mais faut bas noir, non, au blanc, bas noir, paire blanche. C'est ça qui flingue le plus. Fais-moi confiance. Ah ouais? La vie flingue, la vie flingue. Bon, c'est parti. Là, on a pris tous les pulls verts. Oui. Maintenant, on va faire la transition. Est-ce que les pulls verts ils passent crème? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Rentrez tous dans la cabine. 3 minutes dans la cabine. Les gars, c'est parti, on rentre dans la cabine. Transition. 2, 3. Et voilà les gars, au full vert, en full. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Franchement, tarpin propre. Oh, il peut flinguer les gars, tous les trois. On est des triplés. Oh, on se met sur un 85X. Vas-y, tout sur le 85. Oh les gars, ça dépasse. Je vais pas le dire les gars, je vais pas le dire. Mais je crois que j'ai un truc de fou à faire. Franchement, il y a des sales photos à faire avec ces outfits les gars. Les gars, je vais dire valider en commentaire. On est dans le métro les gars, je vous jure, mon corps il est trop faible. J'ai plus de force, j'ai soif, j'ai la pâteuse, les gars, c'est trop. Quand même dire qu'il y en a plein, les gars, qui sont comme ça tous les jours et tout, c'est une dinguerie. Les gars, vous avez vu, il y a que mon cerveau qui marche, mon corps il est éteint, il est en off. Ça fait quoi? Ça va faire 6-7 heures, même 8 heures, notre corps, il tourne sans nourriture, tu sans boire, plus. Ça, les gars. Du coup, quoi? Mais ouais, ça fait plus, les gars. 2 heures, ça fait 6, ouais. ça fait 16 heures. Hier, 5 heures qu'on n'a pas mangé, les gars, ça fait trop longtemps. Si tu me vois courir pendant qu'on se bat, attention. Bon les frères, en tout cas on sort du métro là, plus que quelques minutes. En tout cas cette journée nous aura fait permettre de nous rendre compte comment le ramadan c'est dur. Et la force à tous ceux qui n'ont pas les moyens de manger tous les jours à leur faim. En tout cas ça permet de nous mettre un peu tous égaux. Et tu vois, tu te rends compte les gars qu'on a de la chance. Après les gars, nous on mange quand on a faim, quand on a soif on boit. Alors que des gens les gars, toute la journée ça se voit ils mangent pas, ils boivent pas. Force à tout le monde les gars. Bon, en tout cas force à Watt, parce que toi ça se voit que t'as pas mangé de la journée, que tu sens l'haleine comme si t'avais tué un Kaibi frérot. Oh, je me sens, j'ai l'impression que j'ai 10 HP, ça m'a craqué mon shield. Aidez-moi s'il vous plaît. On est bien rentré à la maison, regardez, on s'est changé, on a tous mis un camis. Regardez les gars, Médoc, tu l'as mis le petit camis. Les gars, bien ça. Il tue mon camis. Il passe crème les gars, il passe crème. Et l'autre camis noir comme ça. Et puis moi les gars, petit camis blanc. Franchement, dis-moi les gars en commentaire. Bleu, blanc, noir. Non, bleu, noir, blanc les gars. Gris, noir, blanc. Oui, je crois les gars on est daltonien mais vas-y c'est non pas les grave. Gars voilà c'est un débat. Il est gris ou ouais, bleu? Il est bleu ciel. Il est gris. Il est bleu vert. Regardez de plus proche. Voilà. Ouais, toi c'est un manche court, nous c'est un manche long. Nous c'est des camis pour l'hiver. Allez moi je vais me changer, c'est parti. Vas-y les gars, c'est parti, on va changer, comme ça on a fait des petites photos, des petits trucs. Puis là en tout cas c'est parti. Direction aller manger, on va manger. Tu veux nous emmener un peu là Médoxo? Bon les gars, là je vais les ramener à Otokyo. C'est un magasin. C'est un restaurant à Toulouse, c'est tarpin bon. C'est chinois? C'est. Il peut être chinois. Et il y a des spécialités ramadan, c'est comme. Ramadan, rabrik. Les gars, ça va être carré en plus de ça. Les nems. Les gars, ils vont se régaler, faites-moi confiance, vous allez aimer. Ceux qui veulent voir la vidéo. Vidéo spécialité ramadan, on l'a fait les gars sur la chaîne avec Médoxo. Là c'est allez voir. En plus on se casse le ventre, vas-y j'ai faim, j'ai soif. Ouais, là c'est les gars, c'est en plus attendez, il est quelle heure les frères, je vous dis exactement. Il est actuellement 19h07, c'est-à-dire dans combien de temps on peut manger les gars? Les gars là ça va être bientôt là. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger? Bah les gars c'est parti, à partir de maintenant on peut manger boire. Bon les zézeng, oh Médoxo les gars, toutes les deux secondes il me disait faut que je t'emmène à cette adresse, faut que je t'emmène à cette adresse. Les 20 personnes que j'ai ramenées c'est devenu leur adresse préférée. Oh il m'a trop vendu de rêve. Médoxo j'espère pas être déçu, j'ai trop faim wesh. Les gars c'est trop bon, ils me font pas confiance mais ils vont dire après quoi, ils vont dire quoi? Mais j'aime trop, c'est trop bon, on peut se resservir. Après c'est le meilleur truc que j'ai goûté, voilà. Je peux pas trouver d'excuses, frérot, mais j'ai tellement faim et soif que tu me ramènes même de la merde, je la tape normale. De la merde c'est pas de la merde, on dit pas de la nourriture c'est pas de la merde. Non mais moi là, je parlais de la merde, la vraie merde quoi. Ah oui. Une celle que tu fais tous les soirs. Bref les gars, on se retrouve à l'adresse. J'espère pas être déçu là parce que j'ai trop faim. Wow, Lilian pilote les gars, j'ai voulu vous préciser, mais si on n'arrive pas à temps à l'adresse, vous étonnez pas pourquoi. Hein. Wesh, mais Doxo il nous a ramené dans un endroit, on va se faire violer. Les c'est gars, comment les gars? Comme ça on dirait pas que c'est un truc de fou et tout. Mais rien de bien quand il va arriver là. Oh les gars, frérot, tu nous ramener? Wesh. Y'a tout qui est fermé, ville fantôme, zombie, fait nuit. Attendez, il est quelle heure? Oh, il est 20h les gars, normalement ça fait déjà presque 1h on peut manger frère. Les gars, on est vraiment des gags, on peut manger à 18h, nous il est 20h, on a toujours pas mangé. Non, on peut manger à 19h. À 19h les gars. On recommence à zéro, moi et ma poêle là. J'espère que c'est bon.
on arrive à l'endroit où Médoxu nous a ramené, regardez-moi, c'est plein de spécialités, du riz, des laines, des sushis, les gars. Les gars, laissez-moi choisir pour vous. Non, les gars, laissez-moi choisir pour vous. Prenez un riz katsu, c'est tout. Même moi, je vais prendre ça, les gars. Les gars, ah, ils veulent choisir pour moi, mais je sais qu'ils vont pas aimer. Prenez riz katsu. Bon, on s'est bien installé, les frères. On a commandé un bon petit truc normalement. Là, c'est parti, on va casser notre jeûne avec un bon petit verre de thé. Ils n'avaient pas de date et de lait, mais vas-y, c'est pas grave. J'ai un petit verre de thé, moelleux. Est-ce que ça glisse dans la gorge? Oh, j'avais peur qu'il soit pas sucré, mais il est mielleux, frérot. Il passe bien. Je crois que c'est le meilleur verre de thé de ma vie, ça me fait trop du bien. Moi aussi, les gars, c'est parti, je vais casser mon jeûne après plus d'une journée sans manger, sans boire. Tête d'homme, le thé il est exceptionnel. Attends, pensez quoi, t'as du thé? Bon, le thé, les gars, je l'ai dégusté, il était trop bon. En plus, t'as vu comment il est bien sucré et tout ça? Ah ouais. J'avais trop faim, les frères, j'ai pris des beignets de calamar, des cheese. Vous allez voir, surprise. C'est bon, moi j'ai reçu un plat, regardez-moi ça, sushi, riz. Là on a des nems, là on a du poulet. Vas-y, arrête de parler. Les gars, j'ai envie de manger là. Vas-y, moi, beignets de calamar. Attendez. 3, 2, 1. Franchement, les gars, c'est pas mes trucs préférés, mais c'est bon. Les beignets de calamar sont validés. Moi, les gars, je vous dis pas au ricard, s'il vous plaît. Ouais, mélange, non, je disais. Mais tu es sérieux? Alors, petit truc de cheese maintenant. Après avoir jeûné toute une journée, je peux vous dire que ça fait du bien et que ça glisse dans la gorge. Et les gars, je suis vraiment en train de me casser le ventre. Tu te régales moins parce qu'il n'y a pas le ricard, il n'y a pas le poulet dedans. Je l'ai fait moi-même le mélange. Le poulet bien croustillant, les gars. Moi, je vais faire refroidir un peu. Oh, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout. Là, j'ai des sushis. Il y a de tout, les gars. Sushis, riz, poulet, tout. J'avoue, la Médoxu, t'as pas blagué. Ah, je suis content que tu me dises ça. La Médoxu nous a ramené dans une vraie adresse pour bien casser notre jeûne. Là, après avoir bien jeûné pendant toute une journée, on mérite ce beau repas. On va goûter un petit sushi. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. Bah, les frères, nous, on va terminer de déguster tout ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez mangé ce soir ou pendant que vous regardez la vidéo. Et puis, les gars, en tout cas, dinguerie. Franchement, on aura bien cassé notre jeûne. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est un truc qui change, un nouveau truc qu'on découvre. Pas tout le temps les mêmes trucs tacos, même truc. Ça fait plaisir de manger du changement. Moi, j'aime trop découvrir de nouveaux trucs. Là, il y a les collègues qui sont, ils nous ont rejoints. On tape un peu l'assiette à Médoxu. Médoxu, il a jeûné toute une journée pour laisser la moitié de la box. Ça, j'ai pas compris, les gars. Son estomac, il est trop bizarre. Par contre, lui, il a tout tapé. La vie, les gars, là, même pour la petite touche sucrée, là, bubble waffle. Oh, tu l'as pas oublié depuis hier, tu disais. Tu l'as pas oublié. En vrai, vous avez bien mangé ou pas les frères? Ouais. T'as bien mangé toi? Bah encore, t'as bien mangé, il a tout tabassé le poteau. Bon lui aussi, il a tout tabassé, il lui reste... Oh, comment ça s'appelle? NM ça? Ouais, c'est un Tinder. Toi il sourit, il est comme moi, on voit grave sa gencive en mode comme moi. Vas-y, sourit. Il me rigole. Il y a quoi à faire aussi à Toulouse là, samedi soir, grosse soirée là. Moi, une bonne soirée. J'ai pas de talent. Viens ma gueule. Viens. Les gars, là, il y a un abonné. T'as dit quoi? Oh mon pote. Tu veux une photo? Tu veux une photo? Ouais, vas-y. Tu le connais lui ou pas? Non. Lui, c'est un youtubeur lui. C'est quoi sa chaîne? Lui, c'est. Non, t'inquiète. Allemand. Non, mais c'est bien en crosse. Ah, bien vu. C'est moi, je l'aurais appris. T'as la puce, t'es un bon. Les gars, vous allez assister à un combat des plus sensationnels. Rapproche la caméra. Oh, ok. Viens faire la puce, viens faire la puce, la photo, pas de poser. Ah, oh, il est gênant. Le 24h continue. On est actuellement devant une salle de bowling. On va tester un peu comment c'est le bowling à Toulouse. Les gars, vous n'avez pas fini, attendez. Il y a Maru avec nous. Eh oui. Les gars, il y a Maru, les gars, il nous a suivi. Hein. Bon, il fait genre, il se cache un peu. Fou, les gars. Là, il fait le capuché, les gars, mais je vous assure qu'il est pas recherché, les gars. Je vous mens pas, il est 22h, début de soirée, samedi soir, on pouvait pas rentrer dormir. Donc là, petite activité bowling, salle d'arcade, ça va être carré, on y va. Oh, vas-y, les gars, on va recommencer. Déjà, on est dans le setup d'Inox, là, que j'ai pas rentré. Vas-y, on avance. Bon, on est arrivé, les gars. Ça va être bizarre un peu, je vous mens pas. Regardez. Il y a du monde, sa mère. Ça va, notre salle du bowling, les gars, je vous mens pas. Ça a l'air d'être pourri un peu. Les gars, c'est pas tiens qu'on va rentrer. Les gars, ça va changer, ça y est, ça va. Rose ouvre la voiture, les gars. Plan annulé, on annule tout, on coupe tout, les gars. Ça rentre à patte. Ah, t'as quoi à dire aux abonnés? Bon, là, comme vous êtes malade, je reste chez vous et dormez. C'est tadakimasu. Sawakita. Señora. Non, t'as dit. Ça va,
les gars, il nous a fait le pélo de lion là. Il nous a mis le survêt lagdar avec un t-shirt de fumant. La veste d'entraîneur bien vestie. Arrête de me tenir comme ça, je t'envoie deux sifflantes. Oh, c'est quoi ça? Vous envoyez une bombe collante sur la peinture. Oh ouais. On est dans ce plateau. C'est de l'encre. La ville en vert, c'est de l'encre. C'est un poulpe, les gars. Oh, mais pourquoi il y a du sable ici? Vous êtes parti au désert ou quoi? Je te raconte, toi. Quoi, avec l'action de C3? Oh, tu dis de la merde. T'as pas fumé un gros guéron? Dans la clé, dans la clé. Dans la clé, t'inquiète. Oh, il a bougé, les gars. Devant la caméra. Vas-y, vas-y, vas-y. en mater, les gars. Tiens, 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 tiens. Vas-y, un bon chien. Ranime-le, 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 ranime-le. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il est réanimé, les gars. Il est reconnecté en HP, les gars. Oh, venez, venez, on part, j'ai trop mal à la tête. Vas-y, ça rentre, les gars, le bowling, il était là-bas. Oh, c'était la pire soirée de ma vie, je crois. Bon, la soirée est un peu aléatoire, mais bon. J'espère que vous kiffez la vidéo, les gars. Et puis là, c'est parti, hein, direction la direction. Hein. Je sais pas c'est quoi la direction, mais direction la direction. On est allé dans un petit truc de crêpe, gaufre, Nutella. On va voir un peu ce que ça donne, les gars, histoire de. Il fallait se remonter le moral, malgré tout. Malgré qu'il n'y ait pas de bowling, malgré tout. Bon, pas, les gars, faut qu'on se casse le bide. Hein. Voilà les gars, on vient de commander une petite crêpe, fume vers le bas, on fait pas de pub parce que c'est un peu des racistes. Non c'est vrai, jure la vie de ta mère, ils sont pas pour rester avec nous. Non les gars, on va pas faire ça, imagine le nom de la marque, ça ils sont truc, après on va être recherché quand on va revenir à Toulouse. Personne va être recherché. Attends, on refait la séquence, c'est bon. Parce que bon si j'ai peur d'être recherché, j'avais. Bah toi aussi ta gueule. Quoi? Viens pour qu'il parle de la vidéo. Vas-y, va être recherché. Non après les gars, plus sérieusement, on vient de croiser des darons et tout, ils nous ont un peu donné la force. Pour ça fait plaisir de parler avec un peu toutes les générations et tout. Les gars, avant la caméra dans la rue, frérot, ça rapporte trop de gens. Aujourd'hui les gars, juste d'avoir la caméra, parce que nous on a pas l'habitude de sortir avec la caméra. Non, on fait avec l'hôtel et tout. Mais au final, trop de gens ils sont venus nous parler. Ouais, trop de gens ils nous ont reconnus, des abonnés, des gens au hasard même ils viennent te parler, ils demandent un peu ce que tu fais. Franchement les gars, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on va faire une expérience sociale sur ça. Ouais, aussi les gars, là on vient de commander des gaufres. Oui, on en a 45 pancakes les gars. Ouais, on a 45 petits pancakes, genre ça va, ils sont assez gros, ils sont comme ça les mecs. Ils sont comme ça à peu près. Comme ça, là. Ils sont comme ça les pancakes. Non, mais ils font la taille du bouchon là, enfin l'arrière d'une bouteille de cristalline. Là, on a une belle petite vue, vous voyez devant les gars ce qu'il y a là-bas. J'ai filmé les gars, j'ai déjà filmé. On a déjà filmé, mais eux ils ont pas filmé. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Regardez là-bas, il y a des petites Ferrari et tout. Mais bon, c'est bien beau de dire ouais, il y a des Ferrari et tout, mais c'est quand tu m'en sors une. Inch'Allah, comment chez nous. Le largage a été reçu, les frères, on va dégouster tout ça. Oh, oh là là, ça reste les petites go. Vas-y, je montre là un peu, sors les boîtes un peu. Tenez les gars, une cuillère. Oh, le 24 ramadan, il veut pas se terminer, il a commencé hier à je sais pas quelle heure. La bouche veut pas se finir. Ah, il y a petit qui s'est tombé. Les gars, mange, voilà. Vas-y, casse-le pas. Par là, mange le mange, les gars. Voilà, commencez pas. Mais par là, pas, je le pense, c'est la nourriture. Tu fais un croc, je fais un croc normal. Par là, c'est la nourriture, les gars. Bien joué, les gars. Les gars, bien joué, bien joué, faut pas gaspiller. Tenez, montre un peu, montre un peu. Regardez, les gars, petite boîte de pancakes, au calme. Lilian, il a pris Nutella banane. Nutella banane, et l'autre, il a pris Nutella fraise. Aïe, mon frère, fais-tu. Aïe, mais je veux goûter. Moi, je suis comme une femme. Ah, Nutella banane en plus. Oh, que vite, toi. Ah, les gars, mais les gars, vous allez voir. Pour vous, c'est quoi le meilleur combo? Nutella, Nutella banane. Vas-y, accélère, wesh. Mais ouais. Mais sa vie à déguste les gars, moi aussi je fais déguste. Les gars, meilleur combo. Mais ouais. Ils connaissent pas. Viens, je leur montre un peu. Mets le flash, mets le flash, mets le flash. Oh, Nutella fraise. Nutella fraise pour Idat. Bismillah. Oh, c'est bizarre, il en reste un petit peu là. Ah ouais, ah ouais. Bah, c'est bon. C'est la frappe ou pas? Vous avez vu, ça c'est les meilleurs moments. Sur le toit d'une voiture, 6 pancakes. Oh, c'est pas pour moi, mais ça pas besoin, pas besoin de plus, les gars. Pas besoin de plus, t'as vu? Oh les gars, j'étais pas en train de vous caler. Par contre, toi, je vois, tu te lâches, tu manges mes pancakes. Ah, c'est bon, la vénère, c'est même moi. Une bouteille de la fraise. J'aime beaucoup, les gars, j'aime beaucoup. À vous, j'ai le mieux là. Non, en vrai, les deux, c'est bon. Ouais, vas-y, les frères, ça. On se recapte après là. Salut les boys. Ouais. Et donc, yo tout le monde, c'est Michou. Bon les frères, il est actuellement minuit et c'est là que se termine ce petit 24h, enfin ce grand 24h. Comment ce gros petit 24h, il est minuit, on s'est levé à 5h, on a fait trop de trucs dans la journée. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment à Toulouse. Encore merci au frère Medoxo qui nous a accompagnés pendant cette journée. Sa chaîne elle s'affiche juste là les gars, allez vous abonner. Et puis voilà, Ramadan Moubarak à tous ceux qui le font. On a été ensemble pendant 24h, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne YouTube, c'est juste en bas, tu vois le petit bouton rouge, tu cliques dessus, t'es abonné et après tu likes. Tu vois. Active la cloche, petit pouce bleu, petit commentaire. Il y a plein de vidéos vont arriver sur sa chaîne avec ça. Nous. Et il y a du très lourd qui arrive. Activez la cloche les gars, plein de grosses vidéos qui arrivent. Ah oui, il y a du très... Ouais, ça part dans 36 à minuit, mais bref, les gars, il y a du très lourd qui arrive. Demain, on va récupérer Restez à l'affût, les frères. Ramadan Moubarak, faut que vous ayez kiffé. On se dit à la prochaine. C'était Lyot et Lilian et Medoxo. Bye bye, les gars. Peace. Peace. Je la connais trop bien.